Le boulevard périphérique fête cette année ses 40 ans d'existence. Avec ses 35 km de voies communales aux allures d'autoroute, c'est l'axe le plus fréquenté de France. Craint par certains, d'autres en ont fait leur métier, des légendes y sont même nées, comme en témoigne ce sujet télévisé d'un autre temps. Il y a quelques jours, un jeune de 27 ans, Pascal, surnommé le Prince Noir par ses amis, a lui aussi voulu s'éclater, comme il dit, sur le périphérique. Les copains escortent Pascal, 27 ans, motard depuis 10 ans, vers le périphérique nord. Sujet caricatural, il rappelle cela dit une réalité, la pratique du périphérique comme d'un exutoire pour de nombreux motards dans les années 80. Bruno a le périphérique dans le sang. Président d'un club de moto, il revient sur ses années. Alors, le périph dans le monde de la moto a été immortalisé en 89 avec le tour de périphérique en 11 minutes. Les médias ont manipulé ce qui s'est passé en disant « Regardez, un espèce d'écervelé a fait le tour du périphérique ». Ce qu'ils oublient de dire, c'est que ça existait. Tous les vendredis soirs, il y avait des courses, il y avait régulièrement des accidents. Tout le monde fait des bêtises. Nous, notre bêtise, c'était d'avoir pris le périph' en tant que circuit. Mais ça avait été fait avant nous. Chrome et Flamme, qui était un magazine à l'époque, faisait une fois par trimestre une course sur le périph' avec des voitures. Donc le périph' a toujours été au naturel un lieu de défoulement pour les années 80. C'était aussi les années un peu boom-boom, les années disco, les années où il y avait une liberté sociale différente. Aujourd'hui, je dirais, faut pas le faire, parce qu'aujourd'hui le périph' ne s'adapte plus à ça. Les années 80 révolues, aujourd'hui les motards voient le périphérique sous un autre angle. Il faut être particulièrement attentif à ce qui se passe, sinon ça pardonne pas. Donc circulation très dense et prise de risque en fonction de la manière de rouler. Donc prudence, beaucoup de prudence. C'est pas sur le périph' où je prends du plaisir à rouler en moto. Quoi. C'est vraiment dangereux, comme disait Guy, dense, trop dense, des gens qui font pas forcément attention, ou même nous qui sont des fois pas trop attentifs. Donc c'est un gros piège en fait.